Cao de Montpellier-le-Vieux. C'est un immense, la cité de pierre, ils appellent ça. C'est un immense chaos rocheux, mais vraiment immense. Ils écrivent que c'est le plus grand labyrinthe rocheux d'Europe. En fait, faut s'imaginer, il y a 200 millions d'années, dans cette région, il y avait une mer tropicale en fait, hein, et donc vous connaissez un peu le process si vous vous rappelez vos cours de SVT. Les sédiments qui s'accumulent au fond, ça forme du calcaire. Quand les Pyrénées et les Alpes sont sorties, ça a poussé aussi tout le massif central et les masses calcaires du massif central, et ça a formé les Causses, qui forment un plateau à 1000 mètres de haut. Et en fait, après, travail de l'érosion, la pluie, le vent, les rivières, et ici, ça a formé en fait. Techniquement, c'est ce qu'on appelle un lapiaz. Je vous avais montré un dans le Jura, mais qui était beaucoup moins creusé. C'est-à-dire, c'est une surface calcaire toute creusée de trous, de fissures, etc. Ici, c'est ça, mais fois 100 en fait. C'est-à-dire que là, on appelle ça un relief uniforme ou des dolomites. C'est-à-dire que ça va faire des chaos, des blocs rocheux de toutes les formes que vous pouvez imaginer. Je vous montrerai un peu les noms après. Et c'est vraiment une merveille. Et c'est immense. Hein. C'est un dédale. On se perd dedans. Voilà, ça c'est un truc typique des paysages de Carse. On va terminer par cette petite vue sur les super gorges de la Dombie, où je vais après. Bon, et on va profiter du schéma pour faire un petit cours de science de la Terre. Donc là, globalement, on est sur une masse calcaire. Et donc ça, c'est ce qu'on rencontre en fait partout dans les grands causses. Les gorges du Tarn, ici le causse du Larzac, là où on est, le causse noir. C'est ce qu'on appelle un relief karstique, du karst. Le karst, c'est cette espèce de masse calcaire, de plateau calcaire, qui, par le travail de l'eau et de l'érosion, va former plein de trucs remarquables. Alors, ce qu'on connaît le mieux, c'est les fameux canyons, hein, les grandes gorges, les gorges du Tarn, les gorges de l'Ardèche, les gorges du Verdon, et plein d'autres. Mais après, il y a beaucoup de choses en fait qu'on trouve dans cette région, et c'est les régions des amateurs de spéléologie par excellence, puisque... Là, il y a ce qu'on appelle les fameux lapiaz, donc ces surfaces calcaires qui sont crénelées. Là, vous avez des dolomites. Et surtout, là, voilà, vous avez ce qu'on appelle un aven. Un aven, c'est un gouffre. Et en général, en dessous, un gouffre aquatique, en fait, en occitan, aven. Donc ça implique effectivement l'existence, en général, d'une rivière souterraine en dessous. Vous avez aussi un peu partout des cavités, voilà, des petites entrées, des grottes, etc. Et puis après, en fait, vous allez avoir ce qu'on appelle, par exemple, des résurgences. C'est-à-dire des endroits en fait où les rivières souterraines débouchent sur les, on va dire, les rivières de surface. Je vous ai montré l'autre endroit, la résurgence du Tarn, puisqu'il y avait le Tarn souterrain, Tarn de surface, et à l'endroit, il y a le Tarn souterrain qui ressort, et ça peut partir sur des kilomètres. C'est fascinant comme paysage. Et en complément, du coup, on peut regarder les images. Hein, donc, je vous parlais par exemple du lapiaz, hein, donc une surface calcaire en fait qui va être crénelée, cisaillée. Ici, là, c'est un lapiaz géant, en fait, ce qu'on appelle un relief ruiniforme, hein, avec des dolomites, comme dans cette fameuse région d'Italie, où là, on a des dolomites, mais vraiment géantes, et c'est encore x10 par rapport à ici. Un lapiaz dont je vous ai montré un dans le Jura, et ça peut faire des fissures, mais des fois, des trous qui partent à des mètres et des mètres de profondeur, il ne faut pas faire tomber ses clés. Là, par exemple, vous avez une cavité, hein, comme un petit aven, mais qui n'est pas forcément à la verticale. Vous pouvez avoir des grands puits cylindriques, en fait, ça va être le travail de l'eau, comme si vous avez des marmites à l'intérieur. Bon, et les fameuses stalactites et stalagmites qu'on rencontre effectivement dans ces cathédrales souterraines. Ici dans le coin, il y a notamment la grotte de Dargilan, l'aven Armand. Là, par exemple, vous avez une super belle photo d'un aven à la surface des Causses. Regardez comment c'est impressionnant. Là, vous avez les pâturages. Et d'un coup, là, vous avez ce gouffre béant. Alors, c'est pas étonnant, imaginez, hein, qu'il y avait des légendes de diable et d'enfer associé à ça, puisqu'effectivement c'est un peu toutes les images qu'on peut se donner de l'enfer. Et d'ailleurs, les premiers spéléologues, c'était au 19e siècle, hein, que ça a été exploré par Édouard Martel, qui est le pionnier, le père fondateur de la spéléologie moderne, hein, c'était un Français. Il est mort en glissant dans ses escaliers, d'ailleurs, pour la petite anecdote. Là, une rivière souterraine, et puis là, par exemple, vous avez une belle résurgence. On en a beaucoup ici, mais on peut en voir dans le Jura aussi des belles.